Good morgen, allez, Iden et Sutra Jourbiel, le Mishmat, Hayester, Bat Myriam, Israq Pérez, Ben Fortuna et Chaim Michel Ben Sultana, si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishak, en fait, 5 minutes éternelles. Nous étions dans le Sachat Chapet, Brikyu Zain, Mishna Dalet. Rabbi aussi Omer, Kola Kelim, Nitalin, Chutz Minamasar Gadol, Veyated, Shel Machareisha. Kola Kelim, Nitalin, Letzorech, Veshol, Letzorech. Rabbi Nechemia Omer, En Nitalin, Ela, Letzorech. On continue dans notre Mishnah à parler des ustensiles qui sont mouktsés pendant Shabbat, en découvrant à présent une marloquette essentielle, et je commence à traduire directement, on explique après. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, « Kol hakelim nitalin, tous les ustensiles peuvent être déplacés à Shabbat. Chutz mina masar agadol, à l'exception du masar agadol, de la grande scie, avec laquelle on scie les grosses poutres, veyated shel machresha, et le couteau de la charrue. » C'est-à-dire la charrue, ça sert à labourer. Il y a à l'arrière de la charrue un grand couteau qui rentre sous terre et qui retourne à la terre. D'accord? Ce sont les deux ustensiles uniquement que l'on n'a pas le droit de déplacer selon Rabbi aussi. Et on explique de quoi on parle exactement. Il y a plusieurs, peut-être que c'est l'occasion, on introduit un peu mieux les Ilchot Mouktse. Il y a, d'abord on avait déjà rapporté l'histoire avec Nechemia ben Chelia, la fin des Nevim, le dernier livre, Daniel, Ezra, Nechemia, là-bas, Nechemia, je sais pas où il est, dans les 24 livres du Navi, c'est un des derniers, le dernier même, je crois, qui, à son époque, c'était le retour des Juifs en Israël pour le retour de la deuxième Beth Amikdash, et les gens ne connaissaient rien. Ça s'était perdu totalement, il a vu des gens porter à Shabbat, à tout va, faire du commerce, par ignorance. Du coup, il a décrété un premier décret de tout interdire, de rien déplacer pendant Shabbat, pour pouvoir restaurer le blason, rendre le blason au Shabbat, que les gens aillent le respecter. Il a été très 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 marmir en disant que tout était interdit. Doucement, doucement, les gens recommencent à s'habituer à Shabbat, que c'est un jour où on ne fait pas ce qu'on veut, c'est très limité. Et puis doucement, il leur a permis, à deux reprises, à trois reprises même, à deux reprises, je crois que c'est marqué dans la Gemara. Et voilà. Ça, c'est l'introduction générale. Maintenant, qu'est-ce qui leur a permis de déplacer? Sur ça, on distingue plusieurs types de mouktsé. Il y a plusieurs familles de mouktsé, et selon le cas, ils sont plus ou moins stricts. A savoir, il y a tout d'abord Klishem Lartoli Isour, c'est le plus facile de tous les mouktsé, c'est un ustensile dont le travail, qui est prédestiné à un travail interdit, mais que l'on peut facilement aussi utiliser pour un travail permis parfois. Par exemple, on avait dit un marteau pour presser des noix, c'est ce qu'on rapportait dans le Mishnah Bet longuement. Et voilà. Il y a par ça, maintenant, d'autres ustensiles, alors on va aller... Il y a par ça d'abord ce qui n'est pas du tout un ustensile, ce qui n'a pas un statut d'ustensile, ou bien ce qui a un statut d'immobilier, parce qu'il est prévu être de l'immobilier, comme les pierres qu'on va construire, les pierres qu'on trouve dans la rue, la terre, c'est Mouktsé Mahmoud Goufo, c'est très grave, on ne peut pas les déplacer pour aucune utilité. Et il y a encore un autre Mouktsé qu'on découvre maintenant, qui est le Massar Agadol, et il y a Tetchel Mahrechas, ce qu'on appelle Mouktsé Mahmoud Chisaron Kis. Il y a certains ustensiles qui sont très précieux, prédestinés à un travail interdit à Shabbat, très précieux, qui coûtent cher, qui sont très sensibles, ils peuvent facilement se casser, s'ébrécher, et on veut qu'ils restent parfaits. Du coup, on les utilise pour rien d'autre. D'accord? Imaginez toutes sortes d'ustensiles un peu délicats, ou d'ustensiles fragiles. Il y a à notre époque, un ordinateur, c'est probablement que ça rentre dans ce cadre, probable que ça rentre dans ce cadre aussi. Et c'est sûr, même je pense, j'ai pas vu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui discute, mais je pense que c'est Mouktsé, Mahmat, Rissarunkis, on l'utilise pour rien d'autre, on l'utilise pas en tant que plateau pour servir des verres. La différence d'un téléphone, les gens ne le savent pas, un téléphone qu'on prévoit qu'il sonne pendant Shabbat, mais je suis à Shabbat Kedotah, il permet de le déplacer parce que c'est un réveil. D'accord? Je reviens maintenant sur le. Donc on a Mouktsé, Mahmat, Rissarunkis. Puisque ces ustensiles sont très sensibles et que leur travail et leur fonction, c'est quelque chose d'interdit pendant Shabbat, c'est sûr que lorsque tu les ranges, c'est avec aucune intention de les utiliser d'aucune manière. Du coup, tu n'as pas le droit de les déplacer du tout. Mais même si maintenant, tu vas te retrouver en situation des fois délicate, imaginons, on va prendre le cas d'un ordinateur, tu as l'habitude de ranger l'ordinateur sous le meuble. Maintenant, sous le meuble, il y a de l'eau, il y a eu une inondation de l'eau. L'ordinateur est en train de se faire inonder. Eh bien, on n'aura pas le droit de le déplacer, parce qu'on n'a pas le droit de le déplacer même pour le sauver d'aucune manière. On n'a pas le droit de le toucher. On n'a pas le droit de le déplacer. Toucher, il faut savoir, on a le droit de toucher, de mettre le doigt sur un mouktsé. On n'a pas le droit de le déplacer même d'un millimètre. D'accord? Donc, maintenant, selon Rabbi aussi,
Alors, le seul mukse qui est interdit, c'est le mukse mahmat chisaron kis. C'est ces gros objets-là qui sont très fragiles et qu'on ne veut pas qu'ils s'abîment en quoi que ce soit, donc qu'on leur fixe une place sans, avec aucune intention de les déplacer. On continue maintenant. Kol hakelim nitalin le tzorer vesholo le tzorer. On a maintenant une Mishnah un petit peu floue en soi-même, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi elle parle, on aura besoin du Bartenora. D'abord, je traduis. Kol hakelim, tous les ustensiles peuvent être déplacés. Ils peuvent nitalin, litol, prendre, ils peuvent être déplacés. Les tzorer vesholo le tzorer. Qu'on en ait besoin ou que l'on n'en ait pas besoin, plus précisément. Comme le Bartenora nous le dit, on parle en fait des clichés, melarto, le heter. Des ustensiles qui ont une fonction permise. Ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être un stander qu'on a le droit de l'utiliser à Shabbat pour étudier, ça peut être des fourchettes, des couteaux, des couverts, d'accord? Eh bien la Mishnah me dit, sache que tu as le droit de les déplacer, ces ustensiles, les tzorer, que tu en aies besoin d'eux ou de leur place, ou même si tu n'en as pas besoin, que par exemple, justement comme ce qu'on a dit, que tu ne veux pas qu'ils s'abîment, ils sont restés sous le soleil, tu ne veux pas que le soleil frappe dessus, il fait humide, tu ne veux pas qu'il y ait de l'humidité qui rentre dedans. Tu as le droit de les déplacer. Il faut savoir aussi une chose, c'est que déplacer un ustensile pour rien du tout un Shabbat, même si c'est un ustensile permis, on n'a pas le droit de le faire. C'est rapporté dans le Magid Mishneh, le Tefilat Issa en parle ici. Et la Mishnah nous permet de le déplacer ben Netzor, ben Shelo Netzor, c'est-à-dire même si on n'en a pas besoin pour soi-même, on a besoin pour lui au moins. Mais s'il n'y a aucune utilité dans ce déplacement, on n'a pas le droit de le faire. Voilà pour la première partie de la Mishnah, avec le Bartendra qui nous dit par contre, si c'est un cliché, Melartol Issur, si c'est un ustensile dont la fonction elle est interdite, mais que ce n'est pas un ustensile qu'on est très méticuleux de ne pas l'utiliser pour rien d'autre. Alors dans ce cas-là, on a le droit de le déplacer les tzorer, si on en a besoin, soit tzorer gufo tzorer mekomo, si on a besoin de lui-même pour l'utiliser pour autre chose, le marteau pour casser des noix, ou bien tzorer mekomo, on a besoin de sa place. Il est sur une table qui nous dérange. Maintenant, on a un nouvel avis qui va être Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia nous dit, En nitalin el al tzorer. Tu n'auras le droit de déplacer les ustensiles permis à l'utilisation que les tzorer, que si c'est pour leur fonction bien précise. Comme ça, la Gemara explique, c'est rapporté dans le Barthénois. Par exemple, selon lui, même un couteau qu'on a le droit d'utiliser pour couper de la viande, couper du pain, selon Rabbi Nechemia, on n'a pas le droit de prendre un couteau pour caler une cruche qui est bancale. Pourquoi? Parce que tu n'as le droit de déplacer un objet que si c'est les tzorer atzmo, pour sa fonction pour laquelle il est prédestiné. Et autrement, il y a un interdit. Bien évidemment, l'alakha n'est pas établie comme Rabbi Nechemia, mais comme l'avis précédent qu'on a expliqué, que tu as le droit de déplacer un ustensile permis, pour, même si tu veux le protéger, même pour l'utiliser, parce que tu as besoin de sa place, ou parce que tu veux le protéger, tandis qu'un ustensile qui va destiner à une melacha asura, alors tu auras le droit de le déplacer que parce que si tu en as besoin, de lui ou de sa place, mais pas si tu veux juste le protéger. Et à la différence maintenant de ce qu'on appelait klish et melachto, mukse machmat risonkis, les ustensiles qui sont très sensibles, que tu ne veux déplacer pour rien, que dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de les déplacer d'aucune manière. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de slacha, kol tov, salam.